2, 1, partez. Hop, 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 hop. Oh là là, et les gars de ça, là, merde. Qui est le premier à être sorti pour avoir du souci de Saint-Ignan. Prochain passage, ce sont les points. 5 points, 3 points, 1 point. Donc, c'est Justin Cavazzani qui emmène. Ah, tu pédales bien là. C'est Verdon qui décide de passer les stockades. En la personne de Stéphane Boucher qui attaque avec Justin Cavazzani. Je vous disais donc que nous avions vu Michael et Rouge qui attaquent. Donc les points au retour. Allez, Francky. Le deuxième aussi. Non mais derrière. Cette ligne. Alors pour les bidons, évitez de passer avant la ligne. Il vaut mieux passer les bidons ailleurs. On passe pas les bidons aux apports. Le petit. Il est là. Il est calme. Il vient de passer. Oui, mais non, c'est pas pareil. Je ressortais les points au prochain passage. Allez, allez, allez. Prochain tour. Prochain tour, il va pas. Allez, allez. Allez, Christophe. Il va jeter dans le fossé. Il va balancer dans les orties. Il va balancer dans le fossé. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, avec Charlie Chalmette, avec Pascal Perrochot, Christian Bossis. Et on retrouve ici maintenant Cyril Laurent, c'est le quarter de tête. Voilà, donc là, ici, le groupe qui est emmené ici par Hervé Robert. On a perçu également là. Sophie, bidon, bidon. Vas-y, balance. Allez, allez, allez. Allez, allez. Les moustiques. Arrivé dans 3 tours. Arrivé dans 3 tours et on a ici avec eux le retour donc d'un coureur en la personne de Mickaël Métou, le coureur de la position. Bouteille, elle sera pour Chris Muller. Voilà, au moins il aura quelque chose. Arrivé dans 3 tours. Ah oui, il veut un bidon. Arrivé dans 3 tours. Allez, allez. Tu veux pas un bidon? Ouais. Allez, papa. Merci. Tiens. Christian Bossis qui devance Pascal Perrochot, Cyril Morand, Charles Chalmette, Mickaël Métou. Arrivé dans 2 tours. Arrivé dans 2 tours. Il a dû regarder une petite histoire française. Allô, c'est une bonne bouteille. Allez, Francky, allez, allez, allez. Il est en forme. Il est parti. La petite bouteille lui a donné des ailes. Non, c'est pas une bouteille, c'est un lot. C'est un lot. Ils ont dit un lot. Ah. Allez, papa. Ouais. Il est content. Ouais. Chercher le bidon. Et dans ce groupe également, la présence de Christophe Davio. Ce sont là les premiers têtes arrivés. Prochain passage. Arrivé, prochain passage pour vous, messieurs. Donc, t'as bien fait. Attaque du junior deuxième année. Charles Chalmette, Tristan Bossis, Pascal Perrochot et Cyril Morin. Oh, l'attaque du junior Charles Chalmette. Le coureur et c'est Pascal Perrochot. Avec ici, sur cette ligne, la présence de Hervé Robert, celle de Sébastien Béchu, que l'on a aperçu. Hein? Arrivé, prochain passage. Allez Francky, allez, allez. Prochain passage. Ceux qui sont au sein de ce peloton. Arrivé, prochain passage avec David Bonin qui emmène ce groupe dans son sillage. Stéphane Boucher, voilà, alors que juste derrière, on a aperçu le coureur de l'UEP qui était là et justement la marche. Eh bien, celui qui est. Allez, Chris, allez, allez. Le représentant de l'APG
Non. Didier Dupuis, ah Didier Dupuis peut-être en train de remonter ici maintenant. Christophe Villard, c'est Didier Dupuis qui s'avère. Didier Dupuis qui s'impose deuxième. Deuxième, c'est Christophe Davio. Troisième, Rodolphe Villard. Voilà le classement, la victoire ici de Didier Dupuis, l'ex-vainqueur de Bordeaux-Saint-Étienne, qui vient chercher au Vélo Club de Rochefort. Il a même eu le temps de prendre le soin de fermer son maillot. Ovation pour, du public pour le vainqueur du jour, Charles Chalmette, Vélo Club de Rochefort. Belle victoire de Charlet aujourd'hui. C'est par Pascal Perrochot, Cyril Meurant dans le sillage de Pascal Perrochot. Cyril Meurant qui va tenter de déborder par la gauche. Cyril Meurant peut-être ici au sprint. En coude à coude avec Pascal Perrochot. Deuxième Cyril Meurant, troisième Pascal Perrochot. Le quatrième étant Tristan Bossis. Voilà le classement donc en direct. Même place, Tristan Bossis, licencié en Girondin de Bordeaux. Voilà, ben c'est donc une bien belle victoire que notre junior deuxième année est venu chercher. Il a effectué le dernier tour seul, il a su porter l'attaque au moment opportun, même si un court instant passe. Et l'attribution des places de 4e, 5e, 6e et 7e. Voilà, allez, ils vont tranquille, en terminer. Allez. Superbe sprint remporté ici par Sébastien Béchet. Classe Chaligne, alors vous venez au protocole assez rapidement, les 5 premiers de chaque catégorie, bien évidemment. Voilà, attention là, hein. C'en est terminé à l'instant même pour Michel Masto. On franchit la ligne également. Il va franchir la ligne. Et cette.